Amlongue l'hélico. Maréchal. Nous voulons te remercier pour ton adoration et pour tous tes services pendant toutes ces années. Car depuis toujours, tu as été un merveilleux serviteur. Je vis pour vous servir, le Tout-Puissant. Le jour où j'arrête de vous servir, c'est la fin de ma vie. Et comme tu le sais, ton âme est déposée dans la coupe de cette loge. Et au moment opportun, quelqu'un de ta famille doit être représenté dans cette loge. Et tu le sais très bien. Toutes mes progénitures vous serviront, le Tout-Puissant. Et votre royaume régnera pour toujours. Je t'ai appelé ici parce que le temps est venu pour que tu nous présentes un remplacement. Quelqu'un de ta famille qui va te remplacer au cas où un événement malheureux arrivait. Quand vas-tu présenter ton remplacement? Je sais ce qui m'attend. Et je travaille là-dessus, monseigneur. Angolo Nyeleko, tu as tout ce que tu désirais. Parce que tu t'étais rabaissé sous la suprématie de cette loge. Les choses que tu ne pouvais pas avoir de toi-même. Mais au-dessus de tout ce que tu as, laisse-moi être clair. La seule chose que tu n'as pas, c'est le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Comment vais-je convaincre mon fils Samuel de me rejoindre? Bien sûr, il est celui qui m'est le plus cher. Il gère mes affaires et même plus que ses frères. Mais acceptera-t-il de faire ça? Mais que la volonté de celui que je sers soit accomplie. Écoutez le fille, en effet, cette fille est allée vraiment très loin. Elle parle trop. Exactement, ma sœur. Elle est comme ça, et je n'aime pas ça. Tu n'as pas besoin de changer de programme. Un bel homme est venu demander sa main humblement au mariage. Qui est-ce? Pourquoi ils ont commencé à se promener ensemble? Ces deux-là, oublie-le. Ils sont en effet insupportables. Y a-t-il une fête qui se passe là-bas? Prépare-toi. Vous vous abusez vraiment. Ouais. Bienvenue. Waouh. Oh, stop, stop, arrête ça! Peux-tu pas me laisser m'asseoir un peu? Comme ça? C'est pour merci, toi, mais mec, ne t'enivre pas. Oh, okay. Même ta petite amie ne peut pas te porter comme ça. Qu'est-ce que tu as mangé au juste? Dis-moi. Exactement ce que vous nous donnez à manger. Où est le père? Il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il est à l'intérieur. Oh, ok. Je pense que je dois aller le voir. Il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Ouais, bien sûr. Chérie, qu'en est-il de ce truc-là? Oh, ça, je m'en suis déjà débarrassé. Je te parlerai après. Laissez-moi aller voir le père d'abord, ok? Ok. Tu m'aimerais? Ouais, tu dis quoi? Continue l'histoire avec ta petite amie. Quel autre malheur elle t'a fait subir? Oublie ça, c'est rien, les turates. Oh, mais je connais la suite. Je ne veux même plus en parler.
Oh, père. Salut, père. Comment vas-tu, fils? Je vais bien. Oh, j'étais venu le matin, mais tu dormais, alors là, j'ai jugé bon de te laisser te reposer. Oh oui. J'ai passé une journée très chargée, fiston. Une journée très mouvementée. Tu sais, j'ai participé à la réunion avec la société Murata Coco. Oh, 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 la réunion là. Oh père, je suis désolé, j'ai pas pu y prendre part. J'étais moi-même très occupé aujourd'hui. Le directeur de la cimenterie a pris tout mon temps. Je suis désolé. Alors, comment ça s'est passé? Bien, très bien, j'ai tout à mon contrôle. Tu sais, je te fais entièrement confiance, Samuel. Je suis content que tu sois mon seul fils qui s'intéresse aux affaires familiales. Ça me surprend toujours pourquoi tes frères ont décidé d'abandonner les affaires familiales. Père, s'il te plaît. Écoute, le plus important est qu'ils réussissent bien dans leur propre profession. Et le fait que nous sommes une grande et heureuse famille. Je pense que tu as raison. Il n'y a rien de plus important dans la vie qu'une famille heureuse. Bien sûr. Malgré le fait que ta mère a détruit mon rêve d'avoir ma famille ensemble. C'est la raison principale pour laquelle je n'ai permis à personne d'entre vous de quitter ici. Père. Bien, je remercie Dieu que vous n'êtes pas aussi déraisonnable qu'elle. Père. Père. Hein, je t'ai dit d'oublier tout ce qui a trait avec l'histoire de la mère. Hein? S'il te plaît. Le fait qu'elle a quitté la maison pour une quelconque raison que personne ne connaît ne te concerne pas. Nous sommes heureux, c'est tout ce qui compte. Ne sois pas dérangé par ça, père. J'ai épousé ta mère parce que j'ai vu quelque chose en elle que je n'ai jamais vu dans aucune femme. La raison pour laquelle elle m'a quitté me surprend toujours. Je n'aime pas l'expression de ton visage. Y a-t-il quelque chose dont tu veux parler? J'ai l'intention d'aller voir la mère. Dis-moi que tu plaisantes. Pourquoi as-tu fait une telle idée d'aller la voir? Bien, elle m'a appelé. Qu'elle voulait me voir, donc je dois aller. Pourquoi veut-elle te voir? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Et tu as décidé d'honorer son invitation? Allez, frère. Dis-moi, pourquoi tu as commencé par sonner comme si la personne dont nous parlons n'est pas notre mère? Notre mère biologique. Je sais qu'elle est notre mère biologique. Mais nous avons tous convenu qu'il fallait arrêter de la voir. Comme ça, nous allons la manquer et elle va revenir dans cette famille. Bien, elle sonnait très inquiète. Alors, que veux-tu que je fasse? Samuel, tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Est-ce que le père est au courant? Bien sûr que non. Écoute, nous tous, nous savons que la mère manque le père et tout ça, nous le savons. Mais cela ne veut pas dire qu'il doit en être au courant. Bien. Essaie de la raisonner. De mon côté, je suis fatigué. C'est la dernière chose que tu as dit, frère. D'accord, j'irai la voir. Passe une bonne nuit, frère. D'accord. D'accord, bonne nuit. Tu sais, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup travaillé. Ah oui, tu as vraiment raison. Super oui. Épuisant. Moi, je suis cassée. J'ai pensé comment on était en train de faire. Je suis fatiguée. J'ai très mal. Mon ventre. J'ai terminé toute une bouteille d'eau. Moi, j'ai encore de l'eau. Je me sens vraiment très fatiguée. Je n'ai pas encore fini ma bouteille. Oh! Mes sœurs, les plus mignonnes et les plus perturbatrices. Bonjour, Sam. Bonjour. 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 Bonjour.
Combien de fois ai-je supplié mes jolies sœurs de toujours m'appeler chaque matin que vous allez au footing? C'est juste pour les filles. Je vois, les filles seules. D'accord, j'ai aussi mes propres moyens de le faire. Sam, où vas-tu d'aussi bon matin? Ouf, je pensais que cela vous échapperait. Vraiment, tu essaies de nous éviter? Bien, pas exactement. Maman a appelé, donc je m'en vais juste pour la voir. Tu vas voir maman? N'est-ce pas toi qui nous as dit de rester loin de maman? Grande sœur, elle avait l'air très inquiète, donc je m'en vais juste pour voir ce qui ne va pas avec elle, c'est tout. Oh mon Dieu, je crois qu'elle va très bien, Sam. Bien, je le saurai, à moins que j'y aille. Sam, s'il te plaît, je peux venir avec toi? Maman me manque beaucoup. Tant que tu seras vivante, Natacha, je ne te laisserai pas faire ça. Bien, c'est pour ça que je voulais éviter de vous le dire, fille. Je vous en prie, ne dites rien au père par rapport à ceci. Prochainement, ne me prends plus pour une petite fille. Mes excuses, grande sœur. Libérez-moi le passage. C'est une tradition pour nous, dans cette famille, d'avoir un petit déjeuner tous les samedis. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que vous ne puissiez pas vous réveiller pour le petit déjeuner? Pourquoi ce silence autour de la table? Où est allé Samuel? Père, il serait mieux placé pour répondre à cette question. Oui, nous on l'a vu sortir, mais il ne nous a pas dit où il allait. Mais non, je vois. Samuel est-il allé voir votre mère? Non. Non. Comment pourrais-tu poser cette question, père? J'espère, pour son bien, que mes soupçons sont faux. Tant qu'elle a décidé de rester loin de cette maison, elle est l'ennemi de cette famille. J'arrive. Oh. Salut, maman. Maman. Hey, comment vas-tu, mon fils? Je vais bien, maman. Bienvenue, s'il te Merci. Plaît. Prends place. Wow. Comment tu vas, maman? Je veux bien. Tel que tu le vois, tout va bien, comme c'est ton droit. Maman, tu te portes vraiment bien? Oui, je vais très bien. Oui, tout va bien. Maman, franchement, je suis confus. Je ne sais pas si je dois être content que tu te portes bien ou pas. Mon fils, tu dois te sentir bien parce que ta maman va aussi très très bien. Sans ta famille? Maman, comment serais-tu heureuse sans ta famille? Allez, maman, tu nous manques. Tu manques le père. Il n'y a aucun jour qui passe sans que papa n'appelle ton nom ou ne parle de toi. Bien, mon fils. Ce n'est pas du tout une raison, mon fils. Ce qui est sûr, je crois et je prie qu'un jour, nous puissions encore être ensemble. Maman, tu dois arrêter d'espérer. Tu peux le réaliser. Tu nous manques, maman. Reviens à la maison. Écoute, la maison t'appartient. Tu peux venir à tout moment. Nous allons tous étendre nos bras pour te recevoir. Je crois que ça va arriver. Ça va arriver au bon moment. C'est quand le bon moment? C'est quand le bon moment, mère? C'est ce que tu as toujours dit depuis que je t'ai connue. Le bon moment, le bon moment. C'est quand le bon moment, mère? C'est quand nous sommes tous mariés et avons quitté la maison familiale.
C'est à ce moment que tu reviendras? Allez, maman. Ce qui est plus ennuyeux, que personne ne sait la raison pour laquelle tu as quitté. Voilà pourquoi je t'avais invité ici. Oh, tu veux le dire maintenant? Tu veux nous en parler? Je veux te le dire et tu vas le garder pour toi-même. Pourquoi? Parce que tu es celui qui doit être au courant de ça. Tu es celui qui est toujours collé à ton père, à tout moment, mon fils. Oh, donc, cela est lié à ça? Mon fils, tout est lié à ton père. Mon fils, tu me connais. Tu me connais très bien. Tu sais combien j'ai aimé votre père et combien je l'ai soutenu. Vous savez tous que même si j'avais pris cette décision, ce n'était pas du tout facile pour moi. C'est pour cette raison que tu devrais me le dire. Tu devrais m'aider à comprendre. Maman, tout le monde cherche à savoir pourquoi. Samuel. Votre père appartient à un groupe de ritualistes. Quoi? Non, non maman, mais cela est impossible. La même réaction que moi, lorsque je l'avais appris. Le père Augustus. Le père Augustus est aussi impliqué dans ceci. Marguerite. Oui, père. J'ai eu cette révélation à plusieurs reprises. Plus je prie pour ça, plus ça devient clair pour moi. Père, ce n'est pas possible. Mon mari ne peut pas appartenir à une association des occultistes. Le club dont fait allusion, c'est un club social dont il est membre il y a beaucoup de temps même. Il n'est pas du tout un occultiste. Margaret, laisse-moi te dire. Oublions un peu la révélation. As-tu pris ne serait-ce qu'une minute pour analyser sa vie? Comment il se donne à l'église? Comment est sa vie spirituelle? Es-tu toujours connecté à lui spirituellement? Est-ce qu'il reçoit toujours la Sainte Communion? Comment se sent-il à chaque fois que je viens à la maison? Et comment se sent-il à chaque fois que tu convoques une prière? As-tu pris le temps de réfléchir sur tout ceci? Tu peux avoir raison pour tout ça, père. Mais disons même que mon mari est paresseux ou quelque chose de pareil. Paresseux. Même ça. J'y ai pensé également avant la toute dernière révélation. As-tu découvert pourquoi il a refusé de vendre ou de faire louer la parcelle qu'il a sur l'avenue Osborne? Les gens qui ont habité là, avant qu'ils bâtissent la maison où vous habitez. Bien, mon père, mon mari ne veut pas vendre sa propriété. Je lui avais dit de faire la même façon que tu viens à peine de dire maintenant. Mais il ne pouvait pas imaginer que un homme va dormir avec sa femme dans cette même maison qu'il m'avait rendue grosse. Il avait dit que il va le garder pour notre fils qui va se marier. Permets-moi de te dire qu'il a menti. Non, père. Mon mari ne ment jamais. C'est un bon homme. Il ne peut jamais faire... Il ne peut pas mentir, surtout pas à moi. Trouve un moyen d'accéder à cette maison. Fais-le quand tu es libre et tu comprendras de toi-même. Père Augustus, là tu me fais peur. Veux-tu me dire que il y a beaucoup à découvrir là-dessus? Tu seras forte par la grâce de Dieu. Et Dieu t'a comblé d'une abondance de grâce. Ton mari a besoin d'aide. Ton mari a besoin d'être sauvé. Et ça viendra de toi.
Bonjour, madame. Je m'appelle Margaret. Je suis la femme du chief Amolonye. Oh, que puis-je faire pour vous? Comment puis-je vous aider? Oui, je me revérifie quelque chose dans la maison de mon mari. Je ne vous ai jamais vu ici. Il y a toujours eu une première fois. Ou veux-tu m'empêcher d'entrer dans ma propre maison? Non, non. Merci. Je la connais comme la femme de Chief, mais il n'est jamais venu avec elle ici auparavant. Qu'est-ce qu'elle cherche? Margaret, apaise-toi. Il faudrait que tu sois forte. Père, de quoi parles-tu? Maintenant que tu as découvert le sanctuaire, ils pourront t'attaquer. Jésus! Mais tel que je t'ai dit, Dieu est avec toi. Tu es spirituellement capable pour t'engager à cette bataille. Tout ce que tu dois faire est de prier sans cesse. Hey! Pourquoi Chief aurait-il fait ça? Pourquoi aurait-il une alliance avec quelque chose de si terrible? Père, qu'est-ce que je peux faire? Il doit être sauvé. Hey. Tu devras les convaincre de quitter et de se détacher de ce royaume occulte. Sinon, quelque chose de terrible arrivera à la fin. Jésus. Une chose de plus. Tout celui qui sera en connexion avec lui peut être aussi en danger. Ah! Ah! Père, j'ai maintenant très peur. J'ai totalement peur. Non, 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 écoute. Hey! Tu ne dois pas avoir peur. Hey! Tu es ma sœur. Mon unique sœur. Si je ne suis pas convaincu que tu vas gagner cette bataille, je n'aurai pas les kilos de temps chargés. Tu peux gagner cette bataille. Je vais également prier avec toi. Alors ta famille doit être protégée. Que Dieu soit avec toi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis très sérieuse. Ou tu penses que je suis en train de blaguer? Comment je peux blaguer avec un problème très sérieux comme ça? À quel point peux-tu être sérieuse, ma chère femme? Est-ce que tu t'es entendue? Quelle question absurde me poses-tu si je suis impliqué dans une secte? Mon amour... Nous sommes mariés il y a beaucoup d'années maintenant. Tu ne peux pas me tromper. Pourquoi? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu t'impliquer dans un acte diabolique? Tu la fermes, Margaret. Voudrais-tu la fermer ou je te la ferme? Hein? Comment oses-tu me parler de cette manière? Quelle bêtise racontes-tu? Tu vois? Tu vois ce que tu as causé? Tu m'as poussé à élever la voix sur toi. Quelque chose que je n'ai jamais fait durant toutes nos années de mariage. Quelque chose que je déteste faire. Ne laisse pas tes vagues imaginations changer des choses entre nous. Quiconque te donne toutes ces informations ne veut pas du bien pour cette famille. Crois-moi. Avoue-le. Chérie, s'il te plaît, avoue-le et tu seras sauvé. C'est vraiment ça la seule solution. Vas-y, avoue-le.
J'avais beaucoup essayé de raisonner votre père, mais il ne voulait pas m'écouter. Alors je n'avais pas d'autre option que de les quitter. Comment oses-tu, mère? Comment j'ose? Oui, comment oses-tu? Dis-moi, comment toi et le père Augustus osaient organiser un mensonge contre mon père? Samuel, ce n'est pas un mensonge. J'aime beaucoup votre père et je m'inquiète aussi beaucoup pour lui. Ok. Laisse-moi croire que tout ce que tu viens de dire est une vérité. Tu connais la maison secrète et l'hôtel secret et toutes choses. Comment se fait-il que tu es encore en vie? Il m'avait attaqué à plusieurs reprises. Rappelle-toi, lorsque j'étais malade, j'étais interné dans la paroisse du père Augustus. Pendant ces temps, j'ai aussi été attaqué. Mais Dieu m'avait guéri. Il m'avait même sauvé. L'amour de Dieu avait enlevé cette obscurité. Et je devais quitter votre père après ça. Alors, pourquoi ne l'as-tu pas dit pendant tous ces temps? J'étais en train d'attendre le bon moment. Le bon moment? Le bon moment. Ok. Maintenant que tu me dis ceci au bon moment, que veux-tu que je fasse? Va-t'en. Fils, va-t'en. Déconnecte-toi de votre père et de ses fétiches. De tout ce qui concerne votre père. S'il te plaît, déconnecte-toi. Je t'en prie, fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Oh mon Dieu. Comment ai-je pu appeler mère? Tu es un être si méchant. Mon Dieu. Où est la méchanceté dans ce que je viens de dire maintenant? Tu veux savoir la méchanceté dans ce que tu viens de dire? Tu as quitté notre père. Tu nous as quittés, nous privant ainsi de la joie maternelle. Tu as quitté le foyer. Et tu veux que moi aussi je le quitte maintenant qu'il a besoin de moi le plus, sachant que je suis le plus proche de lui. Tu veux qu'il meure dans la solitude, dans la tristesse. Laisse-moi te demander, mère, quelle est vraiment ton intention? Qu'est-ce que tu penses gagner en faisant ceci? Samuel, c'est bien de mon mari que nous parlons ici. Pourquoi veux-tu t'en prendre à moi? Dieu sait que je ne peux pas du tout le souhaiter. Je ne peux pas lui souhaiter un mal. Écoute, votre père a finalement vendu la maison sur l'avenue Austin juste pour me tromper. Mais crois-moi, je ne peux pas être trompée. Il a son sanctuaire quelque part en ville. Tu dois faire un effort. Utilise l'avantage d'être près de lui et découvre cette maison. C'est de cette façon qu'on peut sauver votre père. Sauve ton père, Samuel. S'il te plaît. Tu es vraiment pathétique. Je regrette de t'avoir en tant que mère. Je te préviens, ne m'appelle plus jamais. Mon Dieu, mon Père qui est aux cieux, que ta lumière apparaisse sur mon fils. S'il te plaît, sauve-le pour moi. Sauve-le des mains de méchants. J'arrive. Bébé? Honnêtement, bébé, tu ne croirais pas ceci. Si je te dis ce qui se passe présentement, tu ne vas pas le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas certainement pas croire ce qui se passe maintenant. Allez, parle-moi, c'est quoi le problème? Ma mère pense que mon père fait partie d'une secte. Tu plaisantes. Je veux dire, d'où est-ce qu'elle a pu tirer une histoire aussi incroyable? Le père Augustus. Mon oncle, le père Augustus, lui a révélé. Et maintenant, elle veut que j'abandonne les affaires de mon père parce qu'elle sent qu'il allait me nuire. Comment est-ce que maman pouvait penser ainsi? Calme-toi, s'il te plaît, du calme. Sait-elle comment ceci ruinerait la réputation de mon père?
Vraiment, ceci est scandaleux. Le pire est que ceci vient de ma propre mère. Mon amour, si tu veux mon avis, je te suggère de ne pas prendre tout ce qu'elle vient de te dire là au sérieux. Et essaye de prendre du recul sur ça. C'est ta maman. Et malgré tout ce qu'elle a pu bien dire sur ton père, au fond, elle aime. Écoute, bébé. Elle m'a dit que c'était pour la même raison qu'elle a quitté la maison. Mais j'ai pas compris. Pourquoi l'avait-elle dit à aucun d'entre nous depuis? Pourquoi l'avait-elle dit à personne? Maintenant, vu que je crois que mon père est un ritualiste, appartenant à une certaine société secrète. Écoute, ma mère cherche seulement à ruiner ma famille, c'est tout. Et alors, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Franchement, je ne sais pas. Je ne peux penser à rien pour le moment. Mais franchement, ma mère m'a déçu. Ma mère m'a tellement déçu. Hey, faut pas, ne dis pas ça de ta maman, c'est ta mère. Est-ce que tu as déjà mangé? Si j'avais su que c'était pour cette incongruité qu'elle m'appelait, je serais restée à la maison pour manger. Ok, je vais te servir quelque chose, ça te va? J'arrive. D'accord. Comment pouvait-elle penser ainsi? Chérie. Ouais. Ouf. Ah. Écoute, chérie. Je connais ces gens. Je les connais comme je connais ma mère. J'ai vécu avec eux pendant si longtemps. Alors, je me demande juste pourquoi tu es resté là-bas pendant un long moment. Tu as oublié le Nigeria? Regarde, chérie. Ça, c'est ma maison. J'appartiens ici, tu comprends? Mm-hmm. Juste, regarde ce que tu es devenu. Regarde-toi très bien. Je n'ai jamais eu une si jolie, si chaude comme toi. Donc, tu as beaucoup de femmes. Tu ne m'as pas compris, chérie. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Au fait, lorsque je parlais des femmes, je me référais de toi. Je n'ai personne d'autre. Il n'y a pas de place dans mon cœur pour une autre personne. Hein, chérie? Prouve-le. En pratique. Que je le prouve? Mm-hmm. Tu veux dire en pratique? Mm-hmm. Viens par ici. Je suis bien là. D'accord. Oh, s'il te plaît, doucement. Oh. Ok. Mm-hmm. Wow. Allez, viens. Ouais. Ma chérie. Je ne crois pas qu'il est allé voir votre mère. Alors, où était-il jusqu'à 7 heures? Et il ne prend pas son appel. Aucun d'entre vous ne voudrait me dire là où il est allé, n'est-ce pas? Père, calme-toi. Ok? Essayons de l'avoir au téléphone d'abord, afin de savoir ce qui s'est passé. Comment pourrait-il totalement oublier la très importante réunion avec chef d'Obayers? Hein? Comment pourrait-il? Maintenant, vous voyez pourquoi je ne soutiens pas votre approche avec votre soi-disant mère? Sais-tu combien de chiffres d'affaires l'on a réalisé via chef d'Obayas? Sais-tu? Sais-tu même les conséquences de rater cette réunion? Bien sûr, tu ne le sais pas. Parce que tu n'as aucun intérêt dans mes affaires. Continue de l'appeler. J'ai essayé ça. Son numéro est inaccessible. Bon. Comment vas-tu? Je viens juste de l'appeler. Oh, tu l'as appelé? Oui. Est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien. Juste en entendre parler. Où est-il? Avec Marissa. Peut-être qu'elle ne rentrera pas ce soir. Donc, Marissa a empêché mon fils d'une importante réunion avec chef d'Obayas. Hein?
une réunion qui pourrait m'apporter une chiffre d'affaires de près de 100 millions de naira. Comment pourrait-elle? Père, Samuel n'est plus un enfant. Marissa n'aurait pu le garder contre sa volonté. Et par ailleurs, nous ne savons même pas s'il a passé toute la journée là-bas. Attendons jusqu'à ce qu'il revienne afin de savoir ce qui s'est passé réellement. Oui, papa. Luton a raison. En tout cas, où est Joyce? Je ne l'ai pas vue dans cette maison. Je parlais avec elle il y a 20 minutes passées. Elle est en route. Sœur, qu'est-ce qu'il t'a vraiment dit? Qu'est-ce que ton frère a dit? Il n'a pas réussi à assister à la réunion que le père qualifie de très importante. Lui et Marissa devraient déjà finir avec cette lune de miel. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait que papa est en train de cacher quelque chose. Es-tu sérieuse? Bien. On attend jusqu'à son retour. Sœur, je dois aller au lit. Oui, je suis vraiment fatiguée. Bonne nuit. Samuel, vraiment, Samuel. Père, j'ai commis une erreur très terrible. Tu devais voir comment est-ce qu'il était énervé. Je ne veux pas perdre mes enfants, père. Notre combat n'est pas contre la chair, mais contre les esprits. Tu n'as rien fait de mal. Et voilà. Tu as exactement fait ce que le Saint-Esprit nous a inspiré. Alors ne t'inquiète pas. Continue de prier. Oui, continue avec la prière, car c'est la seule arme que tu as. Leur père a acheté leur pensée. Il ne le croit même pas capable de tuer une mouche. Dieu leur ouvrira les yeux au moment où... Amen. Alors nous devons prier pour avoir la décision de Dieu avant qu'il ne soit tard, car la fin pourrait être désastreuse. Oh, mon Dieu, s'il te plaît, protège mes enfants. S'il te plaît, qu'ils soient épargnés. S'il te plaît, Dieu. Il ne retire jamais ses promesses. Amen. J'irai à la montagne demain et je n'oublierai pas de faire de ceci ma requête spéciale de prière. Père, je peux venir avec toi? Oh, non, 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 non. Ça, c'est uniquement pour le Saint-Esprit de la paroisse de Iselukou d'Arasis. Tu peux prier n'importe où. Dieu est partout et répond n'importe où que tu sois. Mais laisse-moi te dire que le royaume des ténèbres est au point de perdre. Prions. Sœur Soleil Levant, peux-tu nous donner le compte-rendu de ta dernière mission? Tout-Puissant, Jun Odogodo a été capturé. Il est encore sous mon emprise. Jusqu'à ce que le Tout-Puissant décide de ce que je dois faire. Jusqu'à ce que le Tout-Puissant décide sur ce que on doit faire de lui. Soleil Levant, je n'attendais pas une telle réponse de toi. Car tu sais exactement ce que tu dois faire avec Dieu, Odo Odo. Oui, Tout-Puissant. Okolibwe. Tout-Puissant. Tu as tout l'argent que tu voulais. Les seigneurs de ces temples sont devenus très favorables à ton égard. Okolibwe, j'attends juste une chose de toi. Le sacrifice de ton allégeance que tu devais nous apporter comme offrande. Ici.
Pourquoi cela a si duré? Tout-Puissant, j'ai offert le sacrifice de mon allégeance il y a 3 jours. Et vous savez que je n'ai jamais échoué à ce niveau auparavant. Où est-ce que je péchais? Ne me demande pas cela, car tu sais de quoi je suis en train de parler. Au Kolibwe. Dans ces temples, nous ne regardons pas seulement le sacrifice que nos sujets nous emmènent. Nous regardons au cœur. Tu sais que ton cœur était loin. Et je veux que tu puisses t'occuper de ça. Tu as compris. Abolonye Lego. Maréchal. Est-ce que tu es au courant que ta femme est en train d'agir encore? Après avoir volé la clé de la maison qui abritait mon temple, j'ai déménagé le temple dans un endroit plus sûr. J'ai également vendu la maison pour lui prouver que ce qu'elle a vu n'existait pas. Que dois-je faire d'autre, mon seigneur? Garde un œil sur elle. Jusqu'à ce que j'aie la révélation sur ce qu'on doit faire. Parce que ta femme est associée à de mauvaises personnes. Et il m'a été révélé qu'il nous est très important de la couper en 2 parties avant qu'il ne devienne trop tard. Que votre volonté, le Tout-Puissant, soit faite. Comment maman pouvait penser à une chose pareille? Tu vois, ce qu'elle a appelé une loge n'est rien du tout qu'un club. C'est juste un club. Exactement, exactement. Elle aurait mieux pensé avant de dire ça. Maman pense qu'il y a beaucoup dans ce club que les yeux ne peuvent voir. Ce qui signifie? Signifiant qu'il y a un hôtel secret dans la maison sur l'avenue Osborne qui a été vendu. Et papa l'a vendu juste pour la tromper. Maintenant, elle croit aussi que papa a un nouvel appartement qui contient le même hôtel. Elle me demande de mener des recherches là-dessus. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment ridicule. Mec, je ne donne pas de crédit à ça. Je ne crois pas ça. C'est pas vrai. Notre père est trop bon pour être occultiste. Franchement, il est si bien pour faire une chose pareille. La maman est allée trop loin. Que cherche-t-elle même? Ce n'est pas que le vieux l'avait renvoyé de la maison, quelque chose du genre. Doit-elle le faire chanter? La question est celle-ci. Qu'allons-nous faire? Ignorons-la. Oh oui, ignorons-la. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Mais c'est la vérité. Mais s'il vous plaît, je veux que ce sujet reste entre nous trois. Je ne veux pas qu'aucune de nos sœurs soit informée de ça. Parce que nous ne devons pas emmener quelque chose qui va affecter la paix que nous jouissons dans cette maison. Mon cher, en tout cas, tu as raison. Je vous en prie, juste, oublions tout ça. Oublions tout ça, s'il vous plaît. Ça ira. Ouais. Oublie ce qu'il t'a dit, ok? Maman, que tu manges d'abord, hein? Je fais ça pour toi. Ma fille, pardon, faut t'asseoir un peu. Que je m'assieds. Assieds-toi avec moi. Je vais m'asseoir, mais laisse-moi devoir apporter quelque chose à manger pour toi. Tu vas rester seulement comme ça sans manger? Tu penses que j'ai quitté loin mon village seulement pour manger? Donc vraiment, moi j'ai laissé mon commerce pour venir ici et manger. Maman, c'est quoi le problème? N'est-ce pas que tu veux juste me dire que tout le monde à la maison va bien? Je suis venue ici à cause de toi, ma fille. Je ne comprends pas, hein. À cause de moi? Pourquoi est-ce que tu es à l'aise sur ta condition? Pourquoi est-ce que ça ne te dérange pas que tous tes camarades qui se sont mariés la même période que toi, ou même après toi, ou un peu avant toi, toutes sont déjà mères? Maman, c'est tout ce qui vous préoccupe vraiment, hein? Et qu'y a-t-il de plus important, ma fille? Quelle joie y a-t-il d'être marié sans avoir des enfants? Maman. Maman.
Moi et mon mari, nous sommes très heureux. Et c'est un homme bien, tu le sais. Ton mari est gentil, il n'y a aucun doute dessus. Je te demande, où est la joie dans ce mariage? Se trouve-t-elle dans toutes ces choses matérielles? Ou les voyages partout dans les pays? Comme je venais de dire, maman, moi et mon mari, nous sommes très heureux. Il me traite bien et ça suffit pour moi. À son temps, les enfants viendront. De quel temps tu parles? C'est déjà ta 12e année dans le mariage. Et tu es assise ici à me parler d'un temps qui viendra. Dis-moi, tu as quel âge, ma fille? D'ici peu, tu vas atteindre la ménopause. Maman, je vais à la cuisine. Voilà tout ce que tu sais faire de mieux. La cuisine, préparer, porter des bijoux, conduire des voitures. Tu viens me voir au visage sans la moindre honte. Je suis là, maman. J'ai apporté ces habits ici pour toi. Prends cette voiture, hein. Ma fille, donne-moi des petits-enfants. Donne-moi mes propres petits-enfants. Je ne t'ai pas mise au monde pour que tu sois une femme stérile. Et aucun de mes enfants ne peut être stérile. Donne-moi mes propres petits-enfants avant que je ne meure. C'est quoi ça? N'importe quoi. C'est quel genre de fille ça, mon Dieu? Chief, ma femme est complètement sur mon coup. Comment ta femme pourrait-elle te prendre à la gorge? N'êtes-vous pas tous les deux allés à l'hôpital, tester et prouver que tout va bien? À maintes reprises. Mais elle est devenue un peu bizarre. Et maintenant, elle se pose beaucoup de questions. Ne lui donne pas la place pour ça. J'espère que tu ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait, mais elle s'inquiète. Elle a juste réalisé qu'elle s'est mariée pendant 12 ans, mais sans enfant. Elle va se calmer. C'est normal pour elle de se sentir ainsi. Mais ne lui donne jamais l'impression que tu as des réponses à ses questions. Je te préviens. Moi, je t'envie. Le maître t'a donné plusieurs options pour l'offrande. C'est pas vrai que tu parles ainsi, Okoligwe. Pourrais-tu imaginer ce que le maître te fera s'il découvre que tu ne donnes pas tes offrandes avec cœur? Et écoute, ne pense jamais que tes offrandes sont plus difficiles que celles des autres. Qu'est-ce qui peut être plus difficile que ça? Ma femme est sur le point de me quitter. La mienne m'a déjà quitté. Et en plus, elle essaie d'éloigner mes enfants de moi. Ne te compare pas avec moi. J'ai sacrifié mes futurs enfants. Et ce qui fait encore mal. Et que je dois cacher mes sacrifices matériels à ma femme. Mon frère, ça, c'est ton prix. Tu sais très bien ces choses. Et pourquoi tu parles ainsi? Ou as-tu soudainement oublié toute la richesse et le succès dont le Tout-Puissant t'a béni avec? S'il te plaît, quoi que tu fasses, ne montre pas que tu es ingrat. Je te préviens. Toutefois, oublions à propos de moi. As-tu parlé à ton fils pour te rejoindre? Okoligwe, si tu devais être à ma place, tu comprendras que aucune offrande n'est simple. Mes enfants regardent la loge comme un club ordinaire. Mais comment puis-je expliquer à Samuel, mon fils, qu'il est celui qui me remplace? Ou comment puis-je lui faire savoir que la loge qu'il voit comme un club n'est pas aussi ordinaire qu'il le pense? Mais le maître avait dit qu'il va te donner les mots pour lui parler. Ne l'a-t-il pas fait? Oui, il a fait. Oui, mais je suis toujours dérangé. Je suis toujours dérangé. Mais que la volonté du Tout-Puissant soit faite. Que sa volonté se fasse sur ses servants fidèles. Issam, qu'est-ce qui ne va pas? Tu devais rentrer hier. On te voit venir la nuit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu tapes sur mes nerfs, Joyce. Rien ne s'est passé, je te l'avais dit avant. Peu importe. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu nous as emmené provenant des mamans? Tu n'as pas besoin de te gêner. D'accord, je m'en vais, je suis dans ma chambre.
Comment va maman? J'espère qu'elle va bien. Et pourquoi elle n'appelle pas? Maman va bien. Comme je te l'avais dit, elle m'a juste appelé pour s'informer sur le bien-être de la famille, c'est tout. Là, je suis sûre que c'est papa. Rassure-toi d'avoir de bonnes raisons. Quand tu te réveilleras de ton sommeil, tu comprendras. Excuse-moi. Oh, père, salut. Je vais bien, père. Que s'est-il passé hier? Pourquoi tu n'as pas respecté le rendez-vous que tu as fixé avec chef de Bayers? Désolé, père, j'aurai une autre réunion avec lui. Je suis désolé. Comment va ta mère? Mère, elle va bien. Elle va bien. Samuel, tu vas bien? Tu bégayes quand tu es tendu? Tendu? Non, mon père, je vais bien. Non, je ne suis pas tendu. C'est pas tendu. Maman va bien. Je vais bien. Tout le monde va bien. Je te verrai après, père. J'ai toujours su que papa a un côté mystérieux. La façon dont il agit quelquefois m'étonne. Mais... non! Mais ça n'a rien à voir avec un côté rituel. Il est trop gentil et humble pour s'impliquer dans ça. Tu as été averti. Tu ne peux pas te permettre de mettre le Tout-Puissant en colère. Je suis là, le Tout-Puissant. Quelle était la signification de cette plainte que tu avais faite pendant la journée? Qu'est-ce qu'un enfant comparé aux bénédictions que le Tout-Puissant t'a déjà données? Maître, ne vous intéresse pas à ce que je dis. Je mérite d'être puni, mais s'il vous plaît, ayez pitié. Tu m'as fait quitter ma zone de confort. Et tout ça juste à cause de ta stupidité. Comment vais-je te punir pour cet acte de stupidité venant de toi? Je n'ai pas de choix. Peu importe la punition que vous allez me donner, je la mérite. Okoligwe, pour ton stupide acte, je vais me séparer de toi pour 2 semaines. Et tu sais ce que cela implique. Maître, Tout-Puissant, s'il vous plaît, ne me laissez pas. Maître, ne m'abandonnez pas. S'il vous plaît, ne me laissez pas. Ne me laissez pas. Tu parles à qui? À qui est-ce que ne me faites pas du mal, Tout-Puissant. C'est qui ce Tout-Puissant? De quoi est-ce que tu parles? Étais-tu en train de rêver? C'est sûrement un cauchemar. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne comprenais pas. Je t'ai juste entendu crier le Tout-Puissant et tu le suppliais de ne pas te quitter.
C'est qui le Tout-Puissant? Y a-t-il quelque chose que tu me caches? C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Dormons s'il te plaît, chérie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je pense vous avoir tout clarifié ce matin. Oui, peut-être que tu ne voulais pas en parler devant Joyce et Natacha. Alors, je me suis décidé de venir parler avec toi en privé. Bien, il n'y a rien à discuter. Je suis l'aînée de cette famille et je suis ta grande sœur. À présent, je joue le rôle que maman était en train de jouer. Te voilà encore. Si c'est pour une ou autre raison que tu t'es décidé de devenir discret à l'égard de tout le monde ici dans la maison, ça ne doit pas être le cas avec moi. Qu'est-ce que tu veux exactement ici? Dis-moi, pourquoi est-ce que maman t'avait appelé? J'ai un instinct très fort. Du coup, je sens qu'il y a un, ça ne va pas. Soudainement, ton attitude a changé et tu commences à prendre de la distance à tout le monde. Et tu préfères rester seul justement parce qu'il y a quelque chose qui te dérange. Écoute, sœur, rien ne s'est passé. La mère m'a juste appelé pour venir l'aider à faire quelque chose, c'est tout. Tu penses mieux connaître maman que moi, hein? Maman ne t'appelle jamais pour ce genre de choses. Tu ne veux pas parler? Il n'y a rien à discuter, sœur. Honnêtement, il n'y a rien. Ok, alors. Maintenant que je sais que chacun de nous commence à garder ses secrets, ok, c'est bien. Ne jamais oublier que c'est toi qui l'as commencé. Écoute, sœur, s'il te plaît. Ce n'est pas encore allé jusqu'à ce point. Franchement, rien ne s'est passé. La mère ne m'a rien dit. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Je l'ai dit. Dieu, Adam a ses intuitions. Hein? Dieu, mais honnêtement, je ne peux pas lui dire quoi que ce soit. Je ne peux rien lui dire. Elle ne doit pas le savoir et elle ne peut pas le savoir. T'en fais pas, j'ai entendu toutes tes murmures. Mais garde ton secret pour toi-même. Aïe! Dieu! Oh, je vois. Ça veut dire, vous voulez utiliser l'une des voitures de papa, n'est-ce pas? Je peux avoir tes clés de contact, je vais t'accompagner. J'ai pitié de t'aimer aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce parce que Adana va le déposer? Je parie que tu sais pourquoi. Elle va mener Tchemere à des endroits où il n'a pas envie d'aller. Je sais. Elle est très en colère contre moi parce qu'elle pense qu'il y a quelque chose que je lui cache. Je ne fais que plaindre Tchemere parce qu'elle déversera toute sa colère sur lui. Et pourquoi est-ce qu'elle est en colère contre toi? Elle sent qu'il y a quelque chose que je lui cache. Quelque chose qui s'est passé entre maman et moi lors de ma dernière visite chez elle. C'est vrai, frérot. Elle en parlait à Joyce la nuit dernière. Que s'est-il réellement passé? Je pense aussi que tu nous caches des histoires. Il n'y a rien que je ne puisse m'en occuper. Conduis prudemment, ok? Ok. D'accord. À plus. D'accord, se voit après. Conduis prudemment, hein?
Oh, père. Samuel. Oui, père. Tu es toujours à la maison? Prévois-tu de manquer à nouveau cette rencontre? Non, père. Oh, j'ai déjà appelé le chef Toubayas par rapport à la réunion. Je vois. Où vas-tu? J'essaie d'aller voir Jackson. Je t'ai dit que les conteneurs du côté d'Italie arriveront cette semaine. Oh. Oh, ok. Tu vas chez lui à la maison ou bien au bureau? Dans son bureau, puis de là, dans mon bureau. Ok, ok. Samuel. Oui, père. Tu te comportais de manière étrange depuis que tu es de retour de chez ta mère. Je respecte ta décision si tu décides de garder la raison de ta visite à ta mère secrète. Mais quoi que tu fasses, s'il te plaît, assure-toi que cela n'affecte pas mes affaires. Je mets tout mon espoir sur toi et tu n'as jamais échoué. N'échoue pas en ce moment. Assure-toi d'aller voir chef de Bayers. Tu sais à quel point cela est important. Je le sais, père. J'irai à la réunion, je te promets. Ok. À plus. Je te verrai, père. J'ai fouillé partout. Il n'y a rien dans cette chambre qui aiderait à l'occultisme. Dieu sait que je ne peux pas lui désirer ça. Je ne peux pas lui désirer un mal. Écoute, ton père a finalement vendu la maison sur l'avenue Austin juste pour me tromper. Mais crois-moi, je ne peux pas être trompée. Il a son sanctuaire quelque part en ville. Tu dois faire quelque chose. Utilise l'avantage d'être près de lui et découvre cette maison. C'est comme ça qu'on peut sauver votre père. Sauve ton père, Samuel. Attendez, attendez. Est-ce vraiment possible que ce que maman a dit existe? Mais c'est où? Samuel! Samuel! Thank you.
Merci Dieu. Sam, tu n'es pas sérieux? Donc tu es parti fouiller la chambre de papa? C'était nécessaire. En fait, il fallait. Écoutez, je voulais savoir s'il y a une maison cachée quelque part dont il a fait son hôtel satanique. Vous voyez, la raison pour laquelle la maman s'est plainte de ceci ne fait que me tourmenter tous les jours. Je n'aurais pas dû quitter si vite. Écoute, mon gars, je pensais que nous étions d'accord de laisser tomber cette affaire. Mais je m'inquiète. Écoute, grand frère, t'as-tu posé une simple question? Et si notre mère a raison? Alors, qu'est-ce que tu cherchais exactement? Tout! Tout ce qui peut me donner une indication. Peut-être un papier de la maison, tout! As-tu vu quelque chose? Rien, mais je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que ça t'efface ma curiosité. Écoute, la mère peut avoir raison, elle peut avoir tort. Tu ne dois pas te déranger à cause de ça. À présent, vivons notre vie comme chaque jour nous la présente. Sais-tu pourquoi tu parles ainsi? Je te pose la question, grand frère. Sais-tu pourquoi tu parles ainsi? Parce que ta vie n'est pas en danger. Sais-tu pourquoi la mère m'a appelé? Elle voit que c'est moi qui suis toujours plus proche du père et ainsi ma vie peut être en danger. C'est pourquoi elle m'a appelé. Allez, bro, allez. Regarde. Nos sœurs sont devenues suspicieuses concernant toutes choses. Juste surpassons ça. Hein, surpassons ça. Tu sais. Je vais te dire quelque chose. Aller voir maman, ça c'est une grande erreur. Mais tu dois savoir cela. C'est une femme qui est déjà emportée par la religion. Tu ne dois pas pratiquer la religion comme des femmes. Emma? Je ne peux pas croire que tu sois si imprudent, Sam. Ces papiers sont très importants. Et sans eux, on ne peut pas dédouaner ces marchandises. Allez, père, tu ne m'as pas donné ces documents. Ah, tu sais très bien que je ne peux jamais jouer avec tout ce qui te concerne ou tes affaires. Tu le sais bien. Samuel, je me souviens de te les avoir donnés. Continue à les chercher. Peut-être c'est moi qui n'arrive plus à me souvenir des choses. Père, ils ne sont pas ici et tu ne me les as pas donnés. Peut-être il faut que j'aille au bureau pour les chercher. D'ailleurs, si on ne les trouve pas, je vais les appeler pour nous avoir d'autres copies. Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils vont établir de nouveaux documents? Allez, père, ces gens savent que nous sommes des êtres humains. On peut perdre les choses. Hein? Ils nous donneront d'autres copies. Je vais simplement appeler. Je ne l'ai pas trouvé, père, mais je passerai après. Bonne nuit, père.
Il ne paraît pas que quelqu'un vit ici. Est-ce à dire que c'est ici qu'il a l'hôtel secret? Si c'est ça, pourquoi achèterait-il le terrain dans le nom d'une autre personne? Ah, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bonjour. S'il te plaît, hein? Je suis nouveau ici. Je vais acheter une maison ici parce que j'aime le quartier. Mais parmi les maisons que je vois, hein, celle-ci me plaît. Celle-ci, mais il n'y a aucun numéro que je peux appeler pour contacter le propriétaire ou celui qui est en charge. Bon, je ne sais pas, hein. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu quelqu'un à l'intérieur là-bas. Personne n'entre, personne ne sort. Ah, donc, cette grande maison qui est ici, personne n'est dedans. Franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un entrer là-bas. D'accord, pas de problème, non. Ok. Merci. De rien. Maureen. La même Maureen? Père, ton téléphone. Ah, c'est Maureen. Allô, Maureen, comment vas-tu? Bonsoir. Ne me dis pas que tu es de retour parce que c'est ton numéro du Nigeria. J'étais inscrit cette semaine. Je me demandais si on peut se voir demain parce que je vais conclure ce marché avec toi demain avant mon départ. Demain? Bien, je pense avoir deux rendez-vous plus demain. Mais on verra comment ça va se passer. Je t'appellerai dès que je serai libre. Ok, monsieur. J'attendrai votre appel. D'accord. Samuel. Oui, père. Où sont mes verres que je t'ai demandé de m'apporter? Désolé, père. Comme ton téléphone sonnait, alors je te l'ai apporté afin que je puisse répondre à l'appel. Mais laisse-moi aller te le chercher. Comment pourrait-il? Ça, c'est incroyable. Comment pourrait-il? Comment pourrait-il acheter une maison au nom d'une autre personne? Et avec un autre avocat. Isabella ne connaît même rien de ceci. La seule chose qu'Isabella connaît est que Maureen travaille pour le père. C'est tout ce qu'elle connaît. Tu ne la connais pas? Je ne sais pas. Tu es censé tout savoir à propos de papa et de ses affaires. Bien désolé de te décevoir, grand frère. Je ne connais pas tout. Et ceci est la preuve que le père est en train de nous cacher beaucoup de choses. Mais je le découvrirai. Qui est cette? Quel est son nom? Qui est cette Maureen Oguada? Au nom de qui il a acheté la maison? Elle peut être une maîtresse qu'il ne veut pas que nous connaissions. Mais tu sais quoi, frère? Je vais aussi la découvrir. Comment? Tu sais quoi? Je te conseille de retourner ces documents avant qu'il ne commence pas à les chercher. Que penses-tu de moi, frère? Muet, stupide? Bien sûr que non, j'ai déjà retourné la copie originale. Ce que tu as ici, c'est la photocopie. Ouais, intelligent que tu es. Tu sais quoi, frère? Je crois que c'est de la même maison que la mère est en train de parler. Mais ce qui m'étonne à propos de tout ceci est que le père pourrait acheter une maison dans le nom d'une autre personne. Ça m'étonne.
Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais même pas quoi penser. Je suis très confus. Je veux dire, le fait qu'il n'a rien dit à personne. Il a acheté cette maison au nom d'une autre personne. C'est tellement suspect. Bien sûr, c'est suspect. Mais tu sais quoi, frère? J'irai jusqu'au fond de cette question. Soit la mère a raison ou non. Ce qu'il me faut, c'est le temps. Oh, père. Comment tu vas, Sam? Je vais bien, père. Bienvenue. Bonjour, père. Assieds-toi. Comment tu vas, père? Je vais bien. Désolé de t'avoir fait attendre. Oh, pas de problème. J'étais dans une réunion de la paroisse. Oh, ça va, père. Comment va l'œuvre de Dieu? Très bien. Que puis-je t'offrir? Oh, ne te dérange pas, je vais bien. Oh, t'es un grand garçon maintenant. Les grands garçons ne mangent pas chez les oncles. Ah, pas du tout, pas du tout, oncle. J'ai mangé avant de venir. Peut-être que je mangerai avant de partir. Ok, alors... Père. Oui. Je crois que tu sais pourquoi je suis ici. Père, je suis confus. Je suis si désorganisé depuis ma dernière visite à la mère. Je ne comprends vraiment pas de quoi elle parle, disant que tu lui as révélé que le père oh, a fait... Oh, Samuel, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Je ne voulais pas t'inviter, car je savais que tu allais venir de toi-même. Je n'ai pas fait ces révélations. C'est le Saint-Esprit qui les a faites. J'aime ma sœur, votre mère. Et je vous aime tous. J'aime votre père, mais... S'il te plaît, père, il n'y a qu'une seule question que je veux te poser. Est-ce que mon père est impliqué dans un groupe occulte? Oui. Profondément impliqué. Votre père a besoin de la grâce de Dieu. Mais c'est un homme très têtu. Votre mère a essayé, mais elle a échoué. Elle était presque au point de perdre sa vie en essayant. Mais tel que les choses se présentent maintenant, ses fils sont ses cibles. Cibles? Père, que veux-tu dire par cible? Et comment se fait-il que personne nous en avait parlé jusqu'à maintenant? Père, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu es l'homme de Dieu et tu es bien au courant que la mère a quitté le père. Et tu es aussi au courant que l'église est contre le divorce. Mais pourquoi tu as permis cela? Qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi c'est maintenant que tu me dis tout ça? Sam, juste apaise-toi. Tu es venu vers moi et par la grâce de Dieu, je te donnerai les conseils qu'il faut. Mais tu dois te calmer car nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu nous guide. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu nous dirige. Nous voulons son inspiration. N'ose pas la voix, juste calme-toi. Ce qui est plus énervant est qu'il a commencé par faire des choses sans me le dire. Il dit que je suis ceci, je suis cela, je suis son héritier, mais pourquoi il me cache des choses? Hein? Comment suis-je censé me fier à lui? Hein? Comment pourrais-je croire qu'il est innocent de tout ce dont il est accusé? Bébé, tout ce que je te conseille, c'est d'agir avec sagesse. Je ne peux pas questionner tes décisions. Allez bébé, tu vas être ma femme. Alors tu as tout le droit de me dire ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Dis-moi ce que tu penses. La vérité est que ton père c'est quelqu'un de vraiment bien et il mérite de recevoir tout l'amour de ses enfants. Et d'une autre part, ta mère c'est aussi vraiment quelqu'un de très bien. Et je ne veux rien te dire qui pourrait détruire ta relation avec ton père, ça non. Ah non. Bébé, je te dis ceci afin que tu me dises ce que je dois faire et ne pas me rendre plus confus. Tu me rends plus confus. Chérie, je suis aussi confuse que toi. Je ne pourrais pas être d'une grande aide. Et je ne peux pas m'immiscer dans cette affaire. Mais en vrai, ce que je pense, si tu es convaincu de ce que ton oncle t'a dit, donc tu n'as qu'à faire ce qu'il te recommande. C'est ce que tu penses? Ouais, exact. C'est ce que je pense. Et retiens un truc bébé, peu importe ta décision, tu as mon amour et mon soutien à 100%. Ok. Et je sais que Dieu revient de coup. T'inquiète pas, les choses finiront bien. Le moment est venu.
Le Tout-Puissant aide ton servant à dire les mots justes. Ah. Samuel, comment vas-tu? Bien, père. Et je voulais t'appeler comme ça. M'appeler père. Bonsoir. Comment vont les affaires? Les affaires vont bien. Il y a quelque chose dont je veux discuter avec toi. Bien, toi, vas-y d'abord. Mais père, tu peux parler d'abord? Non, j'insiste que tu le fasses d'abord. Ok. Assieds-toi. Merci, père. Père, il y a quelque chose de très important que je veux discuter avec toi et je veux que tu me comprennes. Je ne veux pas que tu sois fâché. Donc, j'y ai réfléchi pendant un long moment. Je suis à l'écoute, fiston. Ok. Père, tu sais que j'ai travaillé pour toi, je t'ai servi depuis que j'ai fini mes études. Et les affaires vont bien, les affaires réussissent. Et je suis très content de contribuer à ton succès, père. Mais je ne me sens plus épanoui. Vraiment? Ouais. Je ne l'ai jamais remarqué. Pour moi, je pensais que tu es le plus heureux et le plus épanoui parmi mes enfants. Mais malheureusement, je ne le suis pas. Écoute, père, je dois commencer par faire quelque chose pour lequel j'ai la passion. Je suis un pharmacien formé, mais je ne le pratique pas. Père, il est temps que je fasse ce que j'ai appris à l'école. Je veux être content dans ce que je fais. Samuel, je comprends ta passion pour ta profession. Mais la question est, qu'est-ce qui est dans ça? Qu'est-ce que tu vas réaliser en tant que pharmacien? Père, tout ne concerne pas l'argent. Que dis-tu de la satisfaction et de l'épanouissement? Père, je veux être épanoui dans ce que je fais. Je veux faire ce qui me rend heureux. Samuel, je t'ai préparé pour me remplacer au club d'ordre. Tu es mon héritier. Tu ne peux pas faire ça si tu montres un manque d'intérêt pour mes affaires. Tu dois être pleinement impliqué. De quel club tu es en train de parler? De quel club tu es en train de parler, père? Pourquoi quelqu'un doit te remplacer? Pourquoi un remplacement d'ailleurs? Tu penses que tu meurs bientôt ou quoi? Écoute, père, je ne suis intéressé ni en toi, ni en ton club. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé du travail dans la société d'Antipadro. Je vais prendre le job et je le ferai. Samuel, tu dois m'écouter. Tu es mon fils. Mon héritier. Hein? Ce club fait partie de nous. En fait, c'est la véritable essence de notre existence. Et personne d'autre ne serait plus approprié pour me remplacer que toi. Père, je ne ferai jamais partie du club dont tu parles ou quoi qui va avec. Il y a quelque chose que tu veux me dire, donc je dirais que tu peux parler. Samuel, c'est à propos du club. Tu es mon remplaçant. Je veux que tu comprennes que c'est très important. Je ne sais plus à quel point tu veux que je te fasse comprendre ceci, père. Je ne suis pas intéressé. Je te retournerai tous les papiers et tous les documents qui concernent la société. Tu peux en faire ce que tu veux. J'en ai fini. Maître, le Tout-Puissant, avez-vous vu ce qui venait de se passer? Comment vais-je gérer ça? Non. Samuel ne peut pas m'abandonner en ce moment. Non, il ne peut pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je veux des réponses. Le Tout-Puissant, il faut me parler. Ne reste pas silencieux. Parle. Parle à ton servant. Thank you.
Qu'est-ce que tu cherches ici? Qu'est-ce que tu dis à mon fils Samuel? Point de correction. Il est aussi mon fils. Et que veux-tu dire par qu'est-ce que tu lui dis? Elle a décidé de quitter la société familiale. Et cela arrive au moment où il est venu te voir. Qu'est-ce que tu planifies, Marguerite? Est-ce que je dois répondre à cette question? Oh, Chief, s'il te plaît, je n'ai aucune réponse à cette question. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas continuer à vivre une vie secrète pour tes enfants. Parce que ces dieux ne peuvent pas rester là, te regardant utiliser mes enfants dans tes fétiches. Marguerite, je n'aurai plus à te prévenir. Toi et moi avons une vie, et tu as décidé de vivre celle-là. Ce qui est devenu ma vie et celle de mes enfants n'est pas ton problème. Dès que tu nous as quittés. Tu mens, Chief. Mes enfants resteront toujours mes enfants. Et je vais toujours me soucier d'eux. Marguerite, tu dois faire très attention. Tu dépasses tes limites. Ce sera mon dernier avertissement pour toi. Ah, tu peux toujours essayer, Chief. D'ailleurs, ça ne sera pas ta première fois. Et tu sais aussi comment se présente la fin. Toi et tes amis occultistes allez échouer parce que mon combat, Dieu seul va s'en occuper. Laisse-moi en paix, Marguerite. Laisse-moi vivre ma vie. En une condition que mes enfants soient hors de ça. Et je veux te laisser. Que le Seigneur te délivre, Chief. C'est vraiment ça, mon fils. Nous ne faisons pas ça pour punir votre père. Mais peu importe. Peu importe s'il est puni ou non. Le père ne mérite plus ma loyauté ou celle de qui que ce soit. Pourquoi tu parles comme ça, Samuel? Ton père est un bon homme. Oh. Ce sont ses fétiches qui lui ont changé de la sorte. Il a toujours été un bon père pour ses enfants. Oh, mère. Maman, cela m'a choqué. Il m'a traité comme un enfant. Allez, mère, tu sais combien d'années comment j'ai servi le père. Tu sais comment je lui suis loyal. Et soudainement, le père a commencé par me cacher des choses. De quoi parles-tu? Votre père cache des choses. Dis-moi, quel genre de choses? Vas-y. Bien, mère, je ne m'irai pas en parler maintenant jusqu'à ce que je finisse par rassembler mes faits. Je veux savoir pourquoi tu m'as appelé, c'est pourquoi je suis là. Bien, fils. J'aimerais maintenant te montrer comment tu dois vivre. Maintenant que tu as laissé les business, comment vas-tu survivre? Comment vas-tu t'y prendre? Qu'est-ce que tu dois faire? Bien, mère, j'ai déjà réglé ça. Il a cette société appelée Dancing Power Drug. J'ai trouvé un emploi là-bas et je sais que avec le temps, je serai équilibré. Dieu est très bon. Il ferait toujours un chemin pour ses enfants. Bien sûr, mais le fils du directeur de la société est mon ami d'enfance, donc ce n'était pas difficile. Dès que j'ai montré mon intérêt, j'ai eu le travail. Ah, Dieu est grand. Tu peux le dire encore, mère. Bien, fils. J'aimerais que tu saches que tout ce que tu voudras, je vais le faire pour toi. D'accord? D'accord. Je veux toujours me battre pour toi. Bien sûr, mère, je m'en souviendrai toujours. D'accord, ok, je vais faire quelque chose à manger avant que tu ne partes. Oui, mère, tu sais que ça fait longtemps que j'ai mangé ta nourriture. Oh, s'il te plaît, arrête de dire ça. Non, So, comment as-tu pu faire une telle chose? Comment veux-tu qu'il gère ça? Il t'a pratiquement confié tout ce qui concerne ses affaires. Tu ne peux pas le laisser en ce moment. Bien, et il a aussi dit que il n'avait jamais mentionné ces choses. Bien, au début, je pensais que je ne pouvais pas quitter le père. Mais comme les jours passent, j'y ai pensé, je deviens fort. Précisément le fait qu'il a commencé par faire des choses tout seul, sans me le dire. Donc il peut aussi gérer toutes ses affaires tout seul. Bien, je suis simplement dérangé parce que son âge est avancé et bientôt il sera à la retraite. Bien,
même si nous allons ignorer tout ce que la mère et le père Augustus nous ont dit, ce que lui-même m'a dit lorsque je lui ai dit que je quittais, m'a donné la conviction. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que je ne peux pas quitter, que je suis le fils le plus proche de lui et j'ai été choisi pour le remplacer dans le club. Quel club? Le même club dont toi et moi parlons depuis. Le club de l'ordre. Laisse-moi deviner une chose. Qu'est-ce que papa veut dire par le remplacement? Est-ce qu'il est en train de mourir? C'est la même question que je lui ai posée. Quand bien même la mère a dit beaucoup de choses au sujet du père, je sens toujours qu'il y a quelque chose que cet homme est en train de nous cacher par rapport à ce club. Tout devient intéressant pour moi. Souvenez-vous de quand j'ai dit au père que je voulais rejoindre le club? Il m'a juste renvoyé d'un simple geste de main. Je me souviens qu'il t'a dit qu'il est destiné seulement pour les choisis et les forts. Au nom du ciel! Alors mec, c'est toi donc le choisi? Tu es son homme fort, n'est-ce pas? Donc il nous cachait tout ça pendant tous ces temps. Bien écoutez frère, tout peut ne pas être parfait maintenant. Mais croyez-moi bien, je n'aurai jamais rien à faire avec le père, ses biens ou ce club. Je vous quitte, vous gars, pour de bon. Et si tu refuses de le remplacer, est-ce qu'il va mourir? Tu connais la chambre du père, n'est-ce pas? Va vers sa porte et frappe. Entre et pose-lui la même question que tu viens de me poser. Et tu sais qu'il ne va pas me donner la bonne réponse. Simplement parce que c'est toi qu'on a choisi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ris, tu penses que ceci est drôle? Non, tu penses que ceci est drôle? Ça va, Samuel. Ça va. Ce n'est pas le moment pour ça, s'il vous plaît. À ce temps précis, je veux que nous réfléchissions à quoi faire. Frère, il n'y a rien qui puisse me garder dans cette maison. J'y quitte, j'ai pris ma décision. Où vas-tu aller? Tu es toujours dans cette maison avec nous. On verra bien. Arrêtez les gars, essayons de réfléchir à quoi faire, hein? Essayons de voir ce que nous pouvons faire. Je demande encore. Qu'est-ce que tu as fait à propos de ton devoir? As-tu informé le choisi par rapport à la mission? Le Tout-Puissant, je te supplie, s'il te plaît, donne-moi du temps. Je présenterai l'élu très prochainement, mais j'ai besoin du temps pour le convaincre. Regarde, Amonon Lego, s'il te plaît. Ce n'est pas comme si tu étais en train de faire à une personne une faveur dans cette loge. Tu le fais pour ton propre bien. C'est parce que tu vas être détruit. Ton héritage va être ruiné et ton nom sera oublié. Si tu pars sans remplacement. Le Tout-Puissant, j'ai ma vie et tout ce que j'ai grâce à toi. En ton nom, un remplaçant digne te sera présenté. Je m'incline devant vous, Tout-Puissant. Je demande votre indulgence. Que serait ma vie sans enfant, mon maître? Comment oses-tu, Okoligwe? Comment oses-tu emmener ces temples à un tel niveau de confusion? Qu'est-ce qu'un enfant comparé à la bonne vie que tu mènes dans ces temples? Quoi? Je ne suis qu'un enfant, Tout-Puissant. Pardonnez-moi. Malheureusement, tes péchés ne seront pas pardonnés. Car aucun péché ne restera impuni. Pour ta stupidité, le seigneur de cette loge avait déjà approuvé que tu dois présenter une double portion de tes offrandes hebdomadaires. Échoue de nous les apporter et tu vas tomber dans un trou sans retour. Quitte ma face. Je vous glorifie, Tout-Puissant. Dieu est toujours fidèle. Il n'oublie jamais le sien.
Et il n'abandonne pas non plus l'un des siens. Ce que nous devons faire, c'est de prier et jeûner contre le royaume diabolique des ennemis. Je ne comprends toujours pas comment notre père s'est mis dans ce pétrin. Quelquefois, les gens se trompent par rapport aux réalités de la vie. Autre chose, ils peuvent débuter comme un club ordinaire, mais durant le parcours, ça se transforme à une sorte de louange au Lucifer. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. C'est fort malheureux que l'un d'entre nous y soit profondément impliqué. Mais ce qui est bien est que la vérité a été révélée. Père, qu'allons-nous faire? Nous vivons sous le même toit que lui. Comment t'y échapper? Personnellement, il ne va pas vous faire du mal. Il a juste essayé d'initier l'un d'entre vous dans le royaume. Mais aussi longtemps que tu n'auras pas piétiné son champ d'action, il ne te fera jamais du mal. Mon père, hein, est-ce que tu es en train de dire que nous devons rester dans la même maison avec un adorateur de Lucifer, sous prétexte qu'il est notre père? Bien, je ne sais pas votre décision, Gar. Je ne vais plus rester dans la maison là. Vous devez protéger votre famille. Vos sœurs ne sont pas au courant de ça. Ne leur dites rien. Vous savez comment les femmes réagissent dans de telles situations. Le plus grand problème est que vous devez protéger l'image de la famille. Comment allons-nous faire ça, père? Prière. Vous devez prier. C'est l'unique arme contre le diable. Vous devez tous vous impliquer dans ça. Vous savez, votre mère vous a élevés tous avec les manières chrétiennes. Elle serait profondément déçue si vous avez perdu tout intérêt à la prière. Ah, non, 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 non. Pas du tout, père. Nous prions toujours. Bien, vous devez prier et jeûner. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Et les violents prennent des choses par force. C'est vrai. Le royaume du diable est juste là. Alors, vous devez vous battre. Je vais personnellement avoir des séances de prière avec vous individuellement. Ah, désolé, père. Es-tu en train de dire que aucun d'entre nous ne doit quitter la maison? C'est ce que tu dis? Si tu veux, bien sûr. Mais moi, je ne pense pas que cela est nécessaire. Tout ce que vous devez faire est d'être fort tous les jours. Bon, prions. Approchez-vous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Samuel, que veux-tu que je fasse pour toi? Avant de comprendre à quel point ceci est important. Tu n'as rien à faire, père. J'en ai fini. J'ai pris ma décision. Samuel, que dis-tu de moi? As-tu pensé à quel point les choses seront difficiles au moment où tu quittes? Comment vais-je survivre? C'est ton problème. Tu n'es qu'égoïste. Tout ce que tu penses, c'est toi seul, toi seul, toi seul. Que penses-tu des autres, père? Que penses-tu de nous? Ne penses-tu pas que ta vie dépend de moi? Tu vis dans ma maison. Je te nourris. Tu conduis mes voitures. Tu portes mon nom. Samuel, je pense qu'il est temps que tu sois reconnaissant envers moi. J'ai vécu pour te servir et t'adorer toute ma vie. Ne penses-tu pas que c'est égoïste de ta part de ne pas me laisser partir? Je veux réaliser mes rêves. Ok. Tu veux réaliser tes rêves. Pas de problème. Vas-y. Mais j'ai juste besoin de toi que tu me fasses cette faveur. Rejoins le club. Fais ça pour moi. Et je ne te demanderai plus rien. Te voilà encore. Hmm? Club, club, club. Maintenant, dis-moi, père. Qu'est-ce qui est si important par rapport à ton club-là? Dis-moi. En quoi est-il important ce club? Hein? Pourquoi et quand est-il obligatoire que moi ou un de tes fils doit faire partie de ce club? Dis-moi. Samuel, ne crie pas sur moi quand tu me parles. Comment oses-tu crier sur moi? Qu'est-ce que je demande même? Peux-tu comparer cela à ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait pour moi, père?
Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu n'as absolument rien fait pour moi. J'ai travaillé pour toi toute ma vie. Tu m'as utilisé. C'est tout ce que tu as fait. Profiter des gens. Écoute, père, j'ai pris ma décision sur ceci. C'est tout. Je te quitte et rien ne va m'arrêter. Samuel, je te supplie. S'il te plaît, je suis ton père, n'oublie pas. Fais-moi juste cette faveur. Rejoins le club, fais ça pour moi. Et je te serai toujours reconnaissant. Je t'ai fait beaucoup de choses qui te permettraient d'être reconnaissant. Mais pour celle-ci, pour ce club, je ne vais jamais, jamais en faire partie. Tu ne mourras pas. Ça ne va t'affecter en rien, mais moi, Samuel, n'en ferai pas partie. Et si je meurs? Et si ma vie en dépend? C'est la raison pour laquelle je n'en ferai pas partie. Parce que je n'aurai jamais rien à voir avec ce qui implique la vie. Tu t'es pigé toi-même. Il faut t'en occuper, père. Même en dehors. Je ne comprends pas. Comment tu peux te réveiller le matin du coup et tu te décides de quitter une affaire qui t'a aidé pendant si longtemps? On dirait que ce n'était pas assez. Et tu veux aussi quitter la parcelle familiale. Ne sais-tu pas que tu es en train de faire beaucoup de mal à papa? Mais qu'est-ce qui te prend? Ce n'est pas bien, Sam. Tu dois y réfléchir. Il n'y a rien à y réfléchir. Ma décision est vraiment claire. Mais pourquoi, Samuel? Que veux-tu dire par pourquoi? Hein? N'ai-je pas le droit d'être heureux? D'après tout, chacun dans cette maison poursuit ses propres rêves. Alors pourquoi c'est moi seul qui suis coincé dans les affaires du père? Mais tu n'as jamais eu de problème avec ça, n'est-ce pas? Mais il le faut maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que je veux réaliser mes propres rêves. Je ne savais pas que tu étais aussi sans cœur. Je veux dire, j'ai vécu avec toi toute ma vie et j'ai l'impression que je n'avais aucune idée de ce que tu étais réellement. Cet homme n'a cessé de prendre soin de toi toute ta vie. Et c'est comme ça que tu veux le payer? Tu sais quoi? Tu peux dire tout ce que tu veux à Dana. Mais le père aussi va justifier le fait que j'ai vécu ma vie pour lui. J'ai fait toutes choses pour lui. Maintenant, laisse-moi te demander. Peux-tu dire la même chose au sujet de toi-même? Qu'est-ce que tu as fait pour le père toute ta vie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Viens pour moi avec papa. Je suis juste fatigué de faire ce qui ne me plaît pas, juste pour plaire à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Sam, je parle de papa. Ok, tu y as raison de faire ce que tu veux, parce que c'est ton rêve. Alors c'est comment maintenant? Bien, j'ai déjà trouvé du travail dans la société Dancing Pas Drogue. Je vais commencer lundi. Waouh! C'est vrai? Et tu vas commencer à aller chaque fois? N'oublie pas que là où habite Malé, ça m'appartient. Donc j'ai un endroit où reposer ma tête. Ne t'inquiète pas. Écoute Sam, je souhaite le meilleur. Mais quelquefois, j'aimerais que tu regardes un peu cette relation. Ne brise pas ta relation. Je sais que vous deux, vous êtes trop ensemble. Il n'y a rien à comprendre.
Sam. Dors bien, je t'aime beaucoup. C'est la pire des nouvelles que je n'ai jamais entendue. Mais pourquoi a-t-il décidé de partir? Je n'ai aucune idée. Tu sais, ma principale préoccupation n'est pas parce qu'il quitte mes affaires. Je peux gérer ça. Ma préoccupation est son refus ultérieur d'être mon remplaçant. Ce n'est pas vrai. Okoligwe, dis-moi, comment vais-je exposer ceci au maître? Ne suis-je pas déjà mort? Comme le grand maître a toujours dit, ton remplaçant doit forcément être quelqu'un de très proche. C'est soit ton fils, soit ton frère. Est-ce que j'ai un frère? Mais tu as d'autres deux fils. Ceux-là, Okoligwe, je ne veux même pas y penser. Combien de fois ils ne m'ont pas fait savoir qu'ils ne s'intéressent à rien qui me concerne. C'est pourquoi je ne les ai jamais impliqués dans aucune de mes affaires. Ne conclue pas si vite. Les as-tu déjà intéressés? Ces garçons, je les connais très bien. Il n'y a rien que je ferai ou dirai qui les fera changer d'avis et prendre des décisions qui me favoriseront. Pas moyen. Je suis très confiant qu'ils vont t'écouter. Rapproche-les et parle-leur. Ce sont tes enfants. Buvons à notre santé. J'espère que tu n'oserais pas avoir l'intention de bloquer mon compte. Je n'ai pas pu avoir accès à mon compte et on m'a référé à toi. Pourquoi? Sam, tu parles à papa. S'il te plaît, peux-tu baisser ta voix, je t'en prie? Non, laisse-le crier sur moi. Samuel, mets plus de basse dans ta voix. De quel argent parles-tu? Père, je parle de mon argent. Samuel, mon argent! Tu n'as pas d'argent. Cet argent m'appartient. Puisque tu dis que ton monde ne tourne plus autour de moi, j'ai décidé de prendre ce qui appartient à mon monde. De quoi parles-tu, père? Je parle de l'argent pour lequel je travaille, donc tu n'as aucun droit de le saisir. Si tu es convaincu que cet argent t'appartient, va signer un chèque afin de le toucher. Je vois. Donc c'est à tel point que tu es sérieux. J'ai travaillé pour toi toute ma vie, donc c'est ainsi que tu veux me payer? Samuel, tu as la possibilité de faire ce que je te demande. Ou tu perds tout. Le choix t'appartient, mon garçon. Donc c'est ça. Donc c'est ce que tu veux. C'est cette manière que tu le veux. Sur ce sujet, je ne vais pas plaisanter avec toi dans ma propre maison. Rappelle-toi que tu vis toujours sous mes toits. Tu manges toujours dans ma cuisine. Tu dois faire preuve de gratitude quand tu me parles, Samuel. Tout t'appartient, n'est-ce pas? Tous les biens t'appartiennent et à toi seul. Tu sais quoi? Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ton argent maléfique. Garde-le. Garde-le. Tu peux le garder. Garde-le. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Comment il fera pour survivre? Il aurait dû y penser avant de me désobéir. Mais qu'est-ce qu'il a exactement fait? Tu ne peux pas le traiter comme ça juste parce qu'il a décidé de quitter ton business. Ou est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre? Je sais qu'il aura des soucis. T'inquiète pas, ma fille. T'inquiète pas. Qu'il prenne la maison, qu'il prenne tout. Sam! Laisse-moi! J'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. J'espère que tu ne quittes pas cette maison avec ma voiture. Sam, s'il te plaît, calme-toi! Laisse-moi voir les clés de la voiture. Papa... Les clés de la voiture!
Pourquoi ça? Arrêtez. Tu veux la clé de ta voiture? Tu m'as entendu. Alors avec toi, veille déménager. Tu me demandes comme si j'ai planifié de t'accompagner avec tes effets? Trouve-toi un compagnon. Donne-moi les clés de la voiture. Mais papa, pourquoi tu veux lui prendre les clés de la voiture? Comment veux-tu qu'il fasse ses déplacements? Encore, il aurait dû y penser avant de me désobéir. Il doit savoir que son monde tourne autour de moi. Ce n'est plus le cas. Mon monde ne tourne pas autour de toi. Tu veux garder la maison? Tu veux garder tout ce que tu as? Y compris ceux qui sont en ma possession? Tu peux l'avoir. Je n'en ai pas besoin. Sam. Laisse-moi. Sam. Sam. Oh mon Dieu, Sam, s'il te plaît, Sam. Allô? J'arrive chez toi, tout de suite. D'accord. Sam, s'il te plaît. Sam, arrête, s'il te plaît, Sam. Prends la maison. Sam. Prends la voiture, Sam, prends tout. Sam, reviens, tu vas aller où? Je n'ai plus besoin de tes biens démoniaques. Sam, jamais. Sam, pourquoi tu fais ça, s'il te plaît? Sam! Ne me suis Sam, pas, ne me suis pas! Sam, retourne! Je t'en prie, ne parle pas retourne. Comme ça, s'il te plaît! Sam, arrête ça, s'il te plaît! Sam, s'il te plaît, Sam! Sam! The thing that my eyes are saying is making my heart. Hey, Lucy! Je suis surprise de te voir. Sûrement, il y a une urgence. Comment tu as retrouvé mon adresse? Je tenais à te voir, Monica. Tu m'as vraiment déçue. C'est à cause de ton amour pour le fric que tu as quitté Onyeka Chukwu, un homme qui t'aimait de tout son cœur, pour aller te jeter dans les bras de Koligwe. Regarde maintenant là où ta cupidité t'a conduit. Après toutes ces années, tu es venue chez moi juste pour me dire ça, pour que ça me dérange? Tu as quitté un jeune homme très prometteur, qui pouvait te combler de tout le bonheur jusqu'à la mort, pour aller courir derrière un homme plongé dans l'occultisme. L'occultisme? De quoi est-ce que tu parles? Tu m'as déçue, Monica. Tu es mariée depuis 12 ans et tu n'as pas encore conçu. Et cela ne semble pas t'inquiéter. Est-ce que tu comprends ce que tu dis, Lucie? Donc, tu essayes de me dire que mon mari connaît la cause de mon infertilité? Il y a toujours une même mallette qu'il dit être pour des copies de dossiers importants. Pourquoi ne l'a-t-il jamais ouvert en ta présence? Attends, Lucie. Tu es en train de me frayer. Donc, tu essayes de me dire que mon mari fait partie d'une société secrète? 749, c'est le code d'accès. Mais ne va pas ouvrir ça toute seule, parce qu'ils sont plus puissants que toi. Invite un prêtre à tes côtés et va ouvrir cette mallette. Cela t'ouvrira les yeux et tu seras plus sage. Mais pourquoi tu quittes si tôt? C'est quoi ça? Qui est en train de dire qu'il y a 6 ans passés? Thank you.
7749, c'est le code d'accès. Comment oses-tu, femme? Même le prêtre, qu'on t'a dit d'aller consulter, ne pourra pas t'aider. Et poussé par la folie, tu t'es décidé de le faire toi-même. Je t'ai dit de faire exactement comme moi. Chercher un appartement quelque part, là où tu peux garder tous tes objets spirituels. Mais tu as refusé. Je l'avais caché dans ma mallette, avec une combinaison bizarre. Je ne sais pas comment elle a trouvé ce nombre et le code. Maintenant, ma belle famille est sur mon cou et tout le monde parle. Que peuvent-ils faire? Ta femme est kidnappée. C'est ça. Tout le monde ne sait pas aujourd'hui que le kidnapping est à l'ordre du jour dans notre société. Il n'y a rien que tu puisses faire. La police fait la recherche. Donc laisse ça comme ça. Je suis complètement perdu. Tu n'as aucune raison à être. Ta femme a vu quelque chose qu'elle ne doit pas voir. Ce faisant, elle appartient désormais au Tout-Puissant. Il n'y a rien que tu puisses faire à propos de ça. Donc, vas-y et planifie comment tu peux avoir une nouvelle épouse. But be careful the way you live your life. Be careful the way you live your life. Oh, come on. 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 Et voilà. Merci énormément, Dave. J'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Regarde. Voyons, ce n'est pas si grave que ça, chérie. Je ne fais que ce que je devrais faire pour toi. C'est absolument vrai. Tu m'as toujours fait du bien. Ouais. Et voudrais-tu que j'entre? Oh, c'est pas nécessaire. T'inquiète, chérie. Je veux le faire moi-même, ok? D'accord. Prends soin de toi. Ouais. Prochainement, si tu me fais attendre comme aujourd'hui, je saurai très bien comment m'occuper de toi. Oh, regarde, man, j'ai dit que je suis désolé. J'étais juste allé déposer Joyce. Joyce et toi, qu'est-ce qu'elle représente d'ailleurs dans ta vie? Mon compte bancaire, c'est ce qu'elle représente. Es-tu sérieux? Écoute, laisse-moi te le dire encore. Si seulement cette femme m'épousait, ma vie changerait pour toujours. Elle changera complètement. Ok? De toute façon, Joyce est une belle femme, sans doute. Ouais. Mais ce que je n'arrive toujours pas à comprendre est cet amour soudain que tu as pour elle. Tiens donc, mec. Mais de quoi es-tu en train de parler, man? Hein? Dis-moi, man, est-ce que par hasard dans ton village, tes ancêtres t'avaient maudit pour que tu ne puisses jamais tomber amoureux? Va te faire foutre.
malade. Écoute, mec. Ce que j'essaie de dire est que le mariage n'est pas quelque chose dont il faut se précipiter. Ouais, je sais. Alors, et alors je pense qu'il serait sage et prudent de prendre un peu de temps, d'en savoir un peu sur sa personnalité avant de tomber amoureux. Tout ça importe peu, man, ok? Ça importe peu. Ça importe peu? Oui. Alors, qu'est-ce qui importe? Son apparence physique? Oh, ne sois pas fou, mon ami. Attends, laisse-moi t'éclaircir un peu. Même si cette femme était moche comme un vilain gorille, ça ne m'aurait pas inquiété. Ce qui importe ici, c'est sa poche, mon cher. Elle a de l'argent. C'est tout. En tout cas, je suis un peu perdu. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Écoute, mon cher, regarde. Je ne sais pas comment te le dire encore. Regarde, tu ne comprends pas. Joyce est la fille de l'un des hommes les plus riches de cette ville. Ok. As-tu la moindre idée de ce que je deviendrais si on s'est marié? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Oh non, pas du tout. Tiens donc. Donc, tous ces actes d'amour, c'est juste pour l'argent? Ça ne t'arrive pas, chef. Amoro Nyenego. Ça ne m'arrive pas. Comment tous mes garçons se tournent contre moi en ce moment si crucial? Comment je vais me tenir devant le maître? Qu'est-ce que je vais lui dire même? Ou c'est parce que je n'ai pas parlé en son nom? Il a dit qu'au bon moment, je recevrai des mots. Est-ce que j'ai fait sortir mes propres mots? Pourquoi mon fils n'a pas accepté mes dires? Mon Dieu, ça n'a pas l'air bien du tout. Mes mots sont censés faire les preuves comme prévu. Je vis pour te servir, le Tout-Puissant. Pourquoi tu n'as pas apporté ton remplacement? À quoi es-tu l'héritage? Le Tout-Puissant, ce n'est pas aussi facile que je le pensais. Mais ton servant ne peut pas échouer. Je te promets que je vais le présenter bientôt. Mamoulou Lileko, tu ne dois pas m'efforcer de répéter cette visite encore. Tu possèdes toutes choses, mais le temps, c'est la seule chose que tu ne possèdes pas. D'accord. Sois prudent. Who's gonna be the newest? Looking for a place more than I got a kingdom. Looking for a place more than I got a... Père, pour être bref, je ne suis pas intéressé à rejoindre aucun club. Moi non plus. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes garçons? Hein? Est-ce que quelqu'un d'entre vous se soucie vraiment de cette famille? Qu'est-ce que cela a à voir avec cette famille? L'ordre, selon toi, c'est seulement le club. Pourquoi quelqu'un d'entre nous doit forcément te rejoindre? Hein? Et quand nous refusons, c'est comme si on ne s'inquiète plus de cette famille encore. Père, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce club? Il a tout à avoir avec cette famille. Vous tous! Cette famille doit être représentée d'une génération à l'autre. Pourquoi, si je peux demander? Ce n'est qu'un club ordinaire, n'est-ce pas? Mes garçons, vous devez m'écouter. Tout ce pourquoi nous vivons en dépend. Ma vie ne dépend d'aucun club futile, père. Ce n'est pas un club futile, Lotana. Peu importe, père. Ma vie dépend de Dieu et de lui seul. Si ta vie dépend de ce soi-disant club, je te suggère de gérer ça toi-même.
Pour ma part, j'en ai fini. Tu m'embrouilles avec tes explications. Hein? Tiens, Mary. Oui, père. S'il te plaît, je ne veux pas que tu te comportes comme tes frères. Nous pouvons gérer ceci ensemble. Papa, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qu'il y a réellement dans ces clubs? Ça, c'est quel type de question bête? Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas un club? Écoute-moi, je ne peux pas te décevoir. Papa, tu m'as connu depuis des temps immémoriaux, que je ne me suis jamais intéressé à ces histoires de clubs. Des suspicions, je n'ai jamais été intéressé au Kindle. Et de toute évidence, pour tout ça, je ne suis pas le meilleur choix. Tiens, Mary, s'il te plaît, veux-tu que nous perdions tout ce pour quoi nous avons travaillé? Papa, je suis désolé. Je suis pas partant. Je pense que je pouvais aider. Et je ne peux pas. Désolé, papa. Même si tu es encore une enfant, mais je sais que tu es assez instruite pour savoir tout ce qui se passe ici dans la maison. Mais qu'est-ce qui se passe au juste dans la maison? Maman ne peut pas être disculptée de toutes les confusions que nous sommes en train de vivre dans cette maison. Je ne vois pas comment maman devrait être mêlée à tout ça. Samuel a quitté la maison de sa propre volonté. Il n'est pas allé vivre avec maman. Il est allé vivre avec sa fiancée. Ok, et d'autre part, Lotana et Chimere ont des problèmes avec papa, pour des raisons que eux seuls savent. Je ne vois pas comment maman pourrait être impliquée dans tout cela. Je sais, des fois, quand tu parles, je me demande si tu as réellement grandi. Samuel a quitté la maison après la visite qu'il aille à faire chez sa maman. Une chose encore, Lotana a refusé de suivre ou d'entrer dans ses clubs. Je me rappelle une fois, il était en train de supplier papa pour qu'il devienne membre de ses clubs. Ne vois-tu pas que maman aussi fait partie de ça? Et en quoi cela constitue un problème? La question serait, pourquoi avons-nous une mère qui encourage ses enfants à s'élever contre leur père? Le monsieur lui-même suppliait pour rejoindre le club. Et comment alors qu'on lui demande d'en faire partie, il refuse? Je hais notre maman. Moi, je reste sans voix et totalement confuse face aux interprétations que tu fais de la situation. Et je suis certaine que Joyce ne partagera pas le même avis que toi. Bébé, je t'ai demandé d'oublier toute cette histoire. Ça n'en vaut pas la peine. Je veux aller jusqu'au fond de ceci. Ah, mais tu t'es déjà détaché de lui. Et quoi qu'il fasse maintenant, devrait être le cadet de tes soucis. Toi, construis ta vie et focalise toi sur tes business. Je me suis détaché de lui. Mais mes frères et sœurs vivent toujours avec lui. Mais bon, et même si c'est vrai qu'il existe une maison où il cache son secret, qu'est-ce que toi tu gagnes à aller la voir? Et d'ailleurs, rappelle-toi ce que ta mère a dit avoir enduré après qu'elle ait vu tout. Tu ne comprends pas. Je veux de la preuve. Je veux une preuve. Je veux avoir une raison pour le faire taire. Et ta vie? Tu veux aussi gâcher ta vie pour une enquête? Bébé, allons, le père Auguste a dit que c'est un problème spirituel. Et tout ce que nous avons à faire ici, c'est de prier. Ce n'est pas un problème physique. Donc tu dois essayer de te calmer et d'oublier cette histoire. Oui, qui est-ce? Ada. Oh, Ada, entre. Comment vas-tu? Je vois, tu profites bien de la vie ici. Merci. C'est pourquoi tu refuses de retourner dans ta maison. C'est pour ça que tu es venu? C'est l'attitude que tu montres à ta mère après ne l'avoir pas vue pendant une très longue durée? Je suis venue pour discuter avec toi d'un sujet important. Je t'écoute.
Mais pourquoi tu veux détruire la famille dont tu fais partie? Fais-moi une faveur, Adana. Peux-tu t'asseoir et qu'on discute comme une femme? Je vais beaucoup l'apprécier. Tu sais, il y a un dicton qui dit que chaque petite fille aime être comme sa mère. Mais tu sais quoi, maman? Je ne souhaite même pas un jour être comme toi. Tu n'as pas besoin d'être comme moi. Toi, tu dois être meilleur que moi. Exactement, c'est ce que je veux. C'est bien ça. Mieux que toi, t'es une Jézabel. Tu es une femme méchante et sans cœur. Comment as-tu pu, maman? Comment as-tu pu? Qu'est-ce qu'au monde, papa, t'aurait fait pour mériter cette méchanceté? J'aurais souhaité que tu me connaisses, enfant. C'est vraiment ça, mon souhait. Mais le temps nous en dira plus. Et je vais d'ailleurs te féliciter de ta mission. Depuis que Samuel a commencé à venir te visiter, il a changé carrément. Je sais que tu es au courant qu'il a abandonné ses affaires et qu'il est aussi parti de la maison. Oh mon Dieu, il l'a fait? Il est parti? Oh, juste arrête de faire semblant. Ne pense pas que tu vas me tromper, peu importe ce que tu vas faire. Tiemera et Lutana sont en conflit avec papa. Je pense que cela doit te rendre contente, n'est-ce pas? Je ne peux pas. Je ne peux jamais, même pas un tout petit peu, souhaiter du mal à votre père. Tout ce que je fais est pour que la famille soit heureuse et bien sauve. Je ne sais pas ce que tu comprends par là. Mais écoute-moi, maman. Ma sœur et moi, nous n'allons pas nous arrêter jusqu'à ce que nous nous rassurions que vous souffrez de votre méchanceté. Tu n'as pas seulement choqué, papa. Tu nous as choqués tous. Et je verrai personnellement ce que tu payes le prix de tout cela. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas ce que tu penses. Je vous aime, Adana. J'aime mes enfants. Et j'aime aussi votre père. Je n'ai pas fait quelque chose de mal. Et je ne peux tout de même pas le faire. The thing that my heart is saying is making my heart go in so, so deep. Stop the fighting. Stop the hatred. My brothers and sisters, what we are fighting and respect your party is making us so white. I say, have a